Let me tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. In the morning when the sun comes up, she brings me coffee and my favorite cup. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. When I'm in trouble and I got no friends, I know she stays with me right to the end. People ask me just how I know. I smile at them and say she told me so. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. When I call her on the telephone. Et je délivre un message qui est le message que bon, il n'y a pas de fatalité, hein, le cancer, on peut arriver à s'en sortir. Après, voilà, le handicap, ça c'est quelque chose que c'est quelque chose qu'on doit se donner, nous, moi, si je me considère comme une personne handicapée, je me considère comme une personne handicapée, mais je ne suis pas du tout, pour moi, je ne suis pas une personne handicapée, surtout que le mot handicapé, quand vous regardez bien dans le dictionnaire, c'est quand même quelque chose de très réducteur. Et donc, c'était juste pour vous dire que je représente les personnes atteintes du cancer, mais pas. Alors, je rebondis sur la définition qu'il vient de faire. Je crois que je suis parti il y a 2 ans, j'ai fait mon premier marathon. J'étais pas du tout, je pratiquais pas de course à pied. Moi, mon sport, c'est le ski. Je fais beaucoup de ski l'hiver, je fais beaucoup d'escalade d'été. La course à pied, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Je me suis spécialement entraîné pour ça. Comme quoi, si on veut, on peut arriver à faire des choses. J'espère que le message que je délivre fera du bien à beaucoup de personnes. J'ai pas mal de témoignages dans ce sens sur mon passage. C'est finalement ça qui est important. Après, c'est vrai que par rapport à mon geste, je collecte des dons pour mon parcours. Ce que je fais. En règle générale,
bon, il y a les gens qui peuvent donner. Ce que je fais aussi, c'est que je propose aux maires des communes éventuellement, si par exemple le prochain conseil municipal peut voter une petite subvention qui remettrait à l'opération Marathon de l'Espoir, faire gonfler la cagnotte, parce qu'il faut savoir que moi j'ai un objectif de 100 000 euros de collecte. Donc voilà, je mets aussi en vente des t-shirts qui sont là. Donc tout est reversé à la Ligue. Et j'ai également un bouquin qui vient de sortir, qui retrace ma première aventure, mon premier marathon, et une partie des produits va également à la Ligue contre le cancer. Voilà, donc là je suis parti pour un périple de 5500 km. Je vais arriver à mon premier mille demain. Si tout se passe bien, ben, je battrai mon propre record du monde, puisque j'ai mon actif, donc le record du monde de la plus longue distance courue sur une jambe sans un seul jour de repos, avec 4 400 km/120, donc c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans. J'avais collecté par la même occasion 30 000 euros, ces 30 000 euros avaient été reversés à un laboratoire de recherche sur l'ostéosarcome, la maladie dont j'étais atteint, à Lyon, donc ça a été vraiment quelque chose de concret. Voilà, je vous remercie tous d'être là. Je remercie la police municipale de m'avoir escorté jusqu'à Mireuil, de m'avoir fait grimper et de m'avoir fait raccourci. Le petit raccourci qui va bien, surtout en fin de parcours. Mais c'est vrai, que ça va. C'était cool. I love her soul. Hallelujah, I love her.